me suis tué les. Hey, bonjour. Ça y est, le grand jour est arrivé. Aujourd'hui, je rejoins mes amis pour notre transpyrénéenne. Laisse-moi te les présenter. Tout d'abord, nous avons Mathieu, le pote Nostress, qui a déjoué tous nos pronostics en réussissant à venir. Il a acheté sa moto hier et a validé son assurance il y a 5 minutes. Et puis, il y a David, dont je t'ai déjà parlé. Il a un gros passé de motard et l'expérience du off-road. Bon, après une journée d'autoroute, sans intérêt, de Nice à Amélie-les-Bains, on passe direct à la journée de mardi. Au programme, des petites routes et des pistes. Je connais mon excitation quand je vois le panneau d'un nouveau col. Et ben là, je vais être servi pendant ce road trip. Le col d'Arès n'est pas particulièrement spectaculaire, mais nous permet de passer la frontière espagnole. Ah, il y a des vagues de partout, hein. Il y a encore là-bas dans le chemin. Ça va ? Il y a un bas derrière, là ? Ouais. Là-bas, c'est côté France, et on voit la mer. Et là, on arrive en Espagne. Donc, pour l'instant, le passage de douane, ça va. Bon, ben. Allez. Et je m'émerveille de toutes ces vaches partout sur le bord de la route. Si seulement je savais à ce moment-là ce qui m'attend plus tard. On traverse la petite bourgade d'Espinavel pour rejoindre une première piste. Et excuse-moi d'avance pour toutes ces villes dont je vais écorcher le nom. C'est peut-être donc ça, parler comme une vache espagnole. Cette première piste est très roulante, ce qui aura le mérite de nous échauffer et de nous mettre en appétit pour la suite du voyage. Notre Mathieu a froid et commence à se sentir un peu fébrile. Allez hop! On enfile une couche supplémentaire et on y retourne. Et ben voilà, c'est ça que j'avais commandé. Des paysages à couper le souffle. Quel bonheur d'être là. Ces vacances ne pouvaient pas mieux commencer. Cette fois, les vaches ne sont pas seulement sur le bord de la route, mais carrément au milieu. Pardon, mesdemoiselles, nous aimerions passer, s'il vous plaît. Quand je pense à Hugo, il aurait été aux anges ici. Mais notre trip aurait sûrement pris un mois de plus.
qui me change le plus par rapport aux Alpes, c'est que la plupart des cols ici sont beaucoup moins hauts. Du coup, c'est beaucoup moins minéral. Et il y a bien plus de végétation et d'animaux. Mais oh, cette vidéo elle est censée être tout public, ça va pas la tête? Espèce de cochon, va. De Camprodon, on s'arrête pour que Mathieu fasse le plein. Lui, il a une autonomie un peu plus faible que nous. Et c'est aussi là qu'il nous abandonnera un moment, pour aller se reposer. Mais ça sent pas top, et les vacances ne font que commencer. Alors, un peu de repos, ça lui fera du bien. Chercher une autre piste. Et pour l'attraper, on va devoir emprunter cette minuscule route à la sortie de Rocabruel. C'est d'ailleurs incroyable comme leur réseau secondaire est nickel. Un bitume parfait, des lignes blanches toutes neuves de chaque côté. Bravo! Voilà ma fameuse piste. La trace GPS m'envoie ici. Alors on s'arrête et on inspecte ça. Mais j'avoue que la première montée caillouteuse, elle m'a un peu refroidi. Alors on va continuer par la route et rejoindre Mathieu qui s'est avancé sur le chemin de l'hôtel. Tiens, voilà sa moto. Regarde, qui fait la sieste sous les arbres. Bon bah, recrinqué, il se joint à nous pour une dernière piste avant de rejoindre l'hôtel de ce soir. Bon, c'est bien ça, c'est la piste qui est marquée à gauche là. Ouais. Donc en fait, Sifo, c'est pas une piste, c'est une petite. Alors, juste qu'on voit si c'est pas interdit à la circulation. Alors oui, le problème des traces GPS off-road, c'est qu'on ne connaît pas forcément l'état de la piste, ni si son statut est toujours le même. Certaines peuvent être fermées ou impossibles à rouler avec nos maxi-tricks. Seule solution, c'est d'aller voir. Rain before
kept dreaming of the day. Butterflies were by the wheel, even though she could knock down and never show. Il y en a un qui cherche, ce que ça veut dire? Ça voudra dire que c'est fermé. Direction donc Ripoll pour un café bien mérité. Et nous voilà arrivés à notre étape du soir, Ribes des Fraisères, où on aura eu beaucoup de mal à trouver un restaurant ouvert. Finalement, le repas à l'hôtel aurait été correct. Voilà qui conclut cette deuxième journée. Première, l'autoroute, on n'en parle pas. Aujourd'hui, on aura fait un peu plus de 200 km. Pensez à t'abonner, à liker et à activer la cloche pour ne pas rater le prochain épisode. Salut à toi et bienvenue dans ce deuxième épisode. En ce matin gris et humide, le XT de Mathieu nous fait des siennes et ne veut pas démarrer. Ah, le starter là, ou tu l'as enlevé? Tu vois, t'as le feu arrière qui s'allume, donc il y a quand même un peu de vie. Ah, elle tourne la batterie là. Le feu arrière? Ouais. Ah oui, c'est parce que je traîne. On va partir devant, hein, j'arrive. Les carpères, tu l'as enlevé? Je l'ai enlevé, il a bien le remettre. Quand soudain, sorti de nulle part, un inconnu vient nous proposer son aide. Comme ça, sans raison, juste pour nous aider. C'est pas incroyable ça? C'est pas chez nous que ça arriverait en tout cas. C'est vous qui ne marche pas là? Oui. Moi j'ai les câbles. Ah oui. C'est bien, hein. Je vais tourner là. C'est gentil, c'est pas d'aujourd'hui. Oui, tu as rempli ça. J'ai des câbles. Va dire ça toi quand dans une langue que tu connais pas. Faut qu'on démonte. Ah oui, peut-être à part de déjà j'ai reçu. Ouais, il faudrait la petite PLM. La mienne, elle va pas, alors. Celle que j'avais, moi. Elle est... non, alors, la mienne, bah, il faut que je démonte tout. Faut que tu démontes tout? Ah, bah oui. Ah, non, mais attends, c'est quoi? Et non, quoi? Attends. Pour accéder à ta batterie, tu fais comment? Je dois l'avoir, moi. Ah. Ah, quoi? J'ai une pince, j'ai plus de trucs, mais je peux. En moins de temps qu'il faut pour le dire, notre bienfaiteur a fait demi-tour et a sorti ses câbles. Bon, c'était très sympa, mais ça ne changera rien. Le XT reste capricieux. On commence à envisager peut-être la poussette. Je pense pas que ça démarre plus parce que... ça démarre plus. Ouais. C'est bien, mais bien. Bah ouais. Alors là, ça descend un peu aussi, par là-bas. Tu crois que ça descend, là? C'est un léger faux plat. Ouais, peut-être. Accélérer, ouais. Ça, on a déjà vu comment ça tombait la veste. Ouais.
Bon allez, il est temps de se mettre en route. Programme du jour, encore des petites routes et des pistes. Objectif, Andorre. Pour l'instant, le temps est plutôt maussade, mais sec. Bon, j'ai peut-être parlé un petit peu trop vite. On passe par le col de Tozès pour redescendre ensuite vers la station de ski de la Molina. Et devine quoi? Après un arrêt à la station, le XT ne démarre plus. Et même quand tu démarrais hier, j'ai remarqué qu'elle démarrait pas au quart de poil. Ouais. Tu démarrais, t'attendais un peu et elle redémarre derrière. C'est vrai. Là, c'est ça en fait. Parce que là, elle a tout ses... Elle a... Et ben voilà. Après il y a un coup de main à prendre, je me souviens ça de faire. Ouais. Après tu vas t'habituer, tu vas comprendre le coup de main parce que. Il faudrait que je fasse un petit nettoyage carbu, un changement de filtre, comme ça. Ouais, ça fait pas mal. Faut dire qu'ayant eu la moto la veille du départ et sans avoir pu faire de révision, on s'attendait un peu à quelques surprises. Finalement, ce sera son dernier caprice et le reste du voyage se passera sans aucun problème. Même quand il ne fait pas beau, les paysages peuvent être chouettes. Regarde-moi ces nuages accrochés en contrebas. Au moins, la pluie s'est arrêtée. Et on arrive à Taltendre pour récupérer la première piste de la journée. Sera-t-elle ouverte et praticable? En attendant de le savoir, pense à aller t'abonner et mets-moi un petit like. Ça me fait super plaisir et puis ça m'encourage. Le début de la piste est assez roulant et plutôt sympa. Tu veux pas passer en premier, dame? Ouais, je préfère. Et voilà, dès que ça commence à secouer, je fais mon pleutre. Ici on ne se rend pas bien compte en vidéo mais le dénivelé commence à être pas mal. Et je te rappelle que je débute complètement en off-road. Ah bah oui, les bijoux de famille qui heurtent le réservoir, ça fait pas du bien. Attends, reste là. Après réflexion, j'aurais dû passer sur la gauche
en mettant du gaz. Oh. Bon, en attendant, ma moto est bloquée dans une crevasse et celle de David posée dans un pierrier. C'est là qu'on se rend compte que c'est indispensable de partir en groupe. Tourne un peu. J'ai plus pied à droite. Hein. Je tiens à le préciser. Moi, je suis allé à droite. Venu. À droite ? Ouais. Vous voulez pas que j'avance un peu, je me redresse ? Oui, mais c'est la roue avant qui va pas, qui va pas aller. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que la marche arrière sur une moto, c'est pas très intuitif. Surtout quand on a l'impression de ne rien contrôler. C'est bizarre comme sensation. Ça va être une sensation très désagréable. Clairement. C'est bon là, que j'en ai marre comme ça. Sur la pose de là. C'est bizarre comme sensation. Hein. Alors, un truc, il faudra que... J'y pense, j'ai pas enlevé la BS. Ah oui? Alors c'est bien que c'était pas plus pentu, parce qu'elle freinait pas, j'ai dit mais freine. J'ai rigolé tout seul, freine bordel. Oui c'est vrai que tu l'enlèves à chaque fois. Et ouais, et du coup là, bon ça va, c'est pas trop raide. Mais il y a des moments, tu vois, j'aurais aimé freiner un peu plus, alors il se déclenchait, bon ça a été hein. Mais du coup tu. Si t'as une pente plus raide, toi tu sens qu'avec la main tu peux te freiner plus fort. Ouais. Bon. Bon, c'est descendu. Je sais pas, sur un... Bah, t'es descendu bien, hein. Ouais. Ah oui, il faut pas chercher trop à l'arrêt. Hein. Et dans la montée, c'est pareil. Il faut pas chercher trop à l'arrêt, il faut, faut du gaz, hein, et il faut y aller. Et le problème, c'est qu'elle saute, la moto. Ouais, parce que moi, j'étais à droite. Ouais. Et quand j'ai vu le reste, j'ai dit. J'ai pensé après, j'ai dit déjà, je sais pas, moi, j'ai, toi, puis j'ai bien fait, parce que dans le virage à droite, je serais pas passé. Ah, en plus, ça fait un dévers comme ça, tu as du champ. C'est pas encore pour moi. Et. Non mais là pour le coup. Après j'ai une petite garde au sol. Donc pour peu que je me retrouve avec bah, là où je me suis tanké. Ouais. Si la roue avant elle passe, je me tanque vraiment. Quoi. Là pour le coup c'est pas trop adapté. Là on est dans la limite passe. Là c'est limite. Ouais. Et le pneu. Ouais, parce que là dans ces pierres, il faut un pneu qui aille te chercher un peu plus le. Un peu plus le. Tu vois, qui aille gratter dans la terre, qui te dégage les cailloux plus vite. Donc ça peut. La prochaine fois, avant de s'engager, on ira en reconnaissance. On a compris la leçon. Mais pour l'instant, demi-tour, et on va chercher à récupérer la trace un petit peu plus loin. Nous ne voyons pas arriver, David, inquiet, viendra à notre rencontre. Désolé pour toi, je t'ai fait marcher pour rien. Après une petite liaison routière, on arrive devant la suite de notre trace. On va voir à pied un peu. Cette fois, c'est un panneau voie privée qui se mettra en travers de notre chemin. Allez, c'est pas grave, la trace est super longue et on va la récupérer encore un peu plus loin. Et ce sera au niveau de Bescaran. Enfin, on récupère la trace. Et on a le droit d'y aller.
et cette partie est vraiment bien empruntée et donc roulante et sans embûche. Et nous voilà arrivés en Andorre, notre halte du soir. J'imaginais quand même ce passage de douane un petit peu plus compliqué, ou tout du moins avec un contrôle de papier. Il n'en sera rien. Par contre, c'est impressionnant le nombre de stations-service juste après la frontière. Ok, c'est pas cher, mais il y a des stations vraiment partout. Hormis ça, Andorre la Vieille, c'est une ville-magasin, sans âme ni grand intérêt pour moi. Je voulais voir, et ben c'est fait. J'y retournerai pas. Salut à toi, programme du jour, évitez la pluie qui traverse entièrement le massif pyrénéen, direction sud-ouest, pour allier demain le fameux désert des Bardenas. Pour éviter un maximum de gouttes, on trace un itinéraire empruntant majoritairement la N260 jusqu'à Jerry de la Salle. Qui nous offre de bons firolos et un super panorama pour le moment. Ah, et je t'ai pas dit, mais tu as dû le voir. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre à contribution les copains pour filmer. Alors tu verras, la caméra changera souvent de moto.
semblerait qu'on ait choisi le bon tracé pour éviter les nuages. Parce que vraiment ce jour-là, la météo annonçait un sale temps de partout sur les Pyrénées. Et demain est censé être un des seuls jours secs sur les Bardenas, endroit que je ne veux absolument pas louper. On quitte la N260 pour prendre cette petite route sans personne en direction de la Pobleta de Belveille. C'est vrai quand même. Un des thèmes de notre voyage, c'est de prendre un max de petites routes et d'éviter au mieux les grandes villes. Arrivés à la Pobleta de Belveille, nous ferons une petite pause café. De retour sur la N260, tournée vers l'ouest, toujours pas une goutte de pluie à l'horizon. Est-ce qu'on a tracé le bon itinéraire, ou est-ce qu'on est juste chanceux? Premier groupe de motards qu'on croise. Bon, faut dire aussi que c'est rare qu'on passe par des routes aussi grandes. Des super routes à moto, un bel enrobé, des virolos, mais pas spécialement dans le thème de notre trip. Voilà qui est plus dans le thème, être obligé de s'arrêter pour que le berger puisse faire traverser son troupeau. Et au passage, se faire rouspéter par le chien. Là oui, on est dans le thème. Les nuages arrivent, et je décide de mettre un peu plus de rythme. Quand soudain... Hé hé, mon premier frottis de calepied. Ça surprend, mais c'est rigolo. C'est en arrivant dans des gorges longeant la rivière Ezera qu'on aura notre première goutte. C'est quand même bien sympa. Et la pluie ajoute un petit peu de mystère dans ce cadre enclavé dans la roche. Nous croiserons au fil des kilomètres pas mal de travaux. Les Espagnols prennent décidément grand soin de leur réseau secondaire. Des travaux qui nous feront nous arrêter très longtemps pour certains. Mais alors, très longtemps. Là on y est, la pluie évitée depuis ce matin est bien elle est bien là, et on prend une bonne saucée. Je te ferai d'ailleurs un retour sur mon nouvel équipement, qui va bien garder au sec. À quelques kilomètres de Huesca, le temps se dégage enfin et fait place à une magnifique couleur. Dans ce coin, les lignes droites sont interminables, et le manque de fun aussi. Du coup, je repère une piste en terre qui pourra peut-être régler ce problème. Enfin, une piste qui se divise. Qui se perd, nous forçant à prendre dans les champs pour le rejoindre à nouveau. Pas vraiment très emprunté. Et la végétation y a repris ses droits. Les herbes devenant trop hautes, on devra donc encore couper à travers champs. One step, you are on your way now.
Eh oui, j'y tenais à mon chemin en terre. Bah, c'est raté. C'était pas en terre, mais c'était bien chouette quand même. C'est Mathieu qui a un truc accroché à sa roue. Ah, c'est la dame qui faisait comme ça là. T'as été dans la montée dans les camions, hein? T'as été dans la montée? Ouais. Tu vois, c'était un peu plus petit ça quand même, toi. Un peu plus fondé là-bas, ouais, ça ouais. Va. Mais c'est bien parce que c'est pas trop long, mais tu vois, il y a eu un passage un peu technique. Tu vois, par ça... contre, le premier, il était passé dans ce sens. Ouais. C'est le sabot qui a frotté, moi. Attends, tu t'as fait un ouais. Ouais, tu vois, dès qu'il y a une hauteur, il faut y aller plus doucement. Hein. Ouais, ce que j'ai dit là, faut qu'on prenne le champ. En fait, t'as vu, les chemins, ils sont un peu abandonnés, les mecs, ils passent ouais. Par les champs. Effectivement, il a accroché un filet entier dans sa roue. Allez hop, la poubelle. Notre hôtel du soir un peu après Huesca par ces grandes lignes toutes droites et c'est face au soleil couchant ou presque que cette journée s'achève. Et voilà un jour que j'attendais avec impatience. Aujourd'hui on va dans le désert des Bardenas. Allez, installe-toi bien, je t'emmène avec moi. David démarre avec une petite session de chauffement d'entraînement sur le parking de l'hôtel. S'en suivra encore de trop longues lignes droites, mais le décor qui changera peu à peu mettra de plus en plus en appétit pour la suite. Et nous voilà enfin à l'entrée de ce fameux désert. Pour la faire très courte, il y avait une mer. Il y a 10 millions d'années, elle se vide entièrement dans la Méditerranée. Et depuis, l'érosion des sédiments qui étaient au fond ont formé ce désert. Bref, tu te retrouves d'un coup d'un seul en plein western. Dépaysement garanti. Bon, à éviter je pense en pleine saison. Les camping-cars et autres voitures gâchent un peu cette image. Ça devrait plus s'approcher des chevaux que des Renault. Et oui, pour moi, petit gars de Nice, je connais pas ces grandes étendues vierges et désertiques. À la cabane du lac désertique. S'attendrait à voir un Mexicain assis devant la maison, chapeau enfoncé sur la tête, un cheval au galop au loin et un virevoltant roulé au premier plan. Waouh, c'est fou. C'est vraiment irréel d'être là. Et dire qu'on est seulement à 3 heures de Biarritz.
la circulation y est très réglementée. Vitesse limitée, interdiction de sortir des pistes, mais bon, c'est normal. C'est un site protégé, avec en son centre une zone militaire. Et c'est l'heure pour David de faire son enfant en jouant dans les flaques. Je m'attendais absolument pas au deuxième passage. Par l'emblème de ce désert, le Castil des Tiers. La cheminée de fée. Bah oui, nous aussi on fait les touristes. Après notre pause déjeuner dans la ville typique d'Arguedas, on attaque le désert vers le nord. Direction du Castillo Peñafiel. On a quitté les pistes principales. Celles-ci sont beaucoup moins entretenues. C'est le moins qu'on puisse dire. Regarde-moi ces ornières. Et puis, ben, manque d'expérience, mauvaise lecture de pistes, mauvais pneus. Tu sais quoi, j'étais en train de regarder, je choisirais bien là-dessus à droite, moi j'étais en train de passer à droite. Et en fait, tu vois, on peut pas mettre une roue. Ah, pas une. Il aurait fallu que tu montes sur le bord là, que tu passes toi en mettant un peu de gaz et puis. Parce que dès que t'as mis la roue là, t'étais droit, j'ai vu que t'étais droit, ta roue elle a fait comme ça tout de suite. Hein. Tant qu'à faire. T'as vu filmer ou pas? Mais c'est en train. Cool. Vas-y, vas-y, vois grand chose, attends. Tant qu'à faire, hein. Eh, bonjour. Tu fais un coup de pas. Après, je lui demande si t'es pas fait mal avant quand même. J'ai regardé ce que je dis, est-ce qu'il a le pied coincé, tu vois. Parce que mon premier réflexe, c'est oh putain, une photo. En plus, j'ai rigolé parce que j'ai dit allez dans la flaque de vous. C'est le premier truc. J'ai dit allez, crava dans l'eau. C'est pas le moment, hein. C'est pas le moment de faire le con. Ça a une vitesse. Ah, une petite. Ah, putain. Il doit y avoir une vitesse, oui. Ah, il faut qu'on soit tous ensemble. On fait quoi là? On pousse ou on tire? Tire. Moi je tire. Allez, 1, 2, 3. Encore. Vas-y, il faut pas aller dans. Allez. Voilà. Ouais, c'est là, on était dans la trace. En attention, fait. Elle glisse là. L'arrière. Attention, l'arrière, il rip. Hein. Là, t'es plein de boue. T'as plus un crampon. Hein. Ah, ça colle aux dents. Ouais. Ce que j'allais dire, la seule chance que t'avais, c'était d'essayer de tirer droit dans l'eau, tu sais, et d'ouvrir les gaz. Mais dès qu'elle a penché un peu, elle s'est couchée tout de suite. Ouais. Ça m'a fait rire, j'ai dit. Oh, dans la flaque d'eau. C'est bon, hein. Ça m'a fait penser à la vidéo du mec qui tombe dans l'eau, puis l'autre qui rigole derrière. Ouais, ouais. Voilà, c'était ça. Après ce passage pour le moins amusant, je rattache mes sacs et on passera 10 minutes à enlever la boue des sillons de mes pneus. Pour le reste, on verra plus tard. Même si c'était rigolo, cette fois, je pars inspecter le terrain. Ça m'a encore l'air tout cette histoire.
visiblement, Mathieu, lui, a décidé que ça passerait. And I'm never going back again, I swear. Most likely the son of mine will be found in the mountains where I'm born and raised. I paid my duty, it's a sunny side cutie. Oh Lord, hear the sorrow in my heart. Comme tu peux le voir, la piste disparaît totalement. Tant pis pour ce Castillo, on décide de rejoindre la piste la plus proche pour sortir de ce désert. Bourbier, suivant le point de vue. Je vais bien dormir ce soir. Je vais les deux. Et après, ce sera la première à droite. T'as vu mon truc? Oui, t'as fait quoi? J'ai freiné un peu avec le pied, sauf que la boue s'est restée coincée. Et donc? J'ai vu. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ici que le jeu de piste va commencer. On devait rejoindre la NA-128, à hauteur de Mélida, mais route fermée pour travaux. Durant les deux prochaines heures, on va tourner, virer, explorer toutes les pistes, dans toutes les directions. Impossible de sortir de là, et faire demi-tour n'est pas une option. L'espoir est au plus haut quand on tombe sur une route où tourner. Mais là encore, impossible de passer. C'est pas possible, il doit bien y avoir une sortie. On est séparés ici. Et puis par là. Oh, encore un cul-de-sac. Crée ce genre de moment magique, suspendu dans le temps. Et encore un panneau route fermée. On va quand même aller voir. Et on se retrouve sur la voie de chantier qui longe la route. Un ouvrier un peu plus loin nous indiquera une déviation, qu'on aura encore du mal à trouver. Mais on s'en sortira tout de même avant la nuit. À partir de là, plus d'images. Les batteries de la caméra m'ont toutes lâchées après cette journée plutôt riche. Bref, après un petit rinçage dans une station en chemin, on arrive enfin à l'hôtel, et j'ai droit à une douche bien méritée. Puis on finit la première partie de cette transpyrénéenne et on rejoint l'océan. Puis on entame le chemin du retour, mais c'est loin d'être la fin. Le temps est plutôt mitigé ce matin, de la pluie, du soleil, des jolies petites routes et tout ça nous donne un cadre plutôt sympa. Regarde-moi toutes ces couleurs. Et comme une fois n'est pas coutume, petite surprise, la route se transforme en chemin de terre. Facile et agréable. On récupère la N135 au niveau de Hero, en direction des différents petits cols qui nous mèneront à la frontière. On va commencer à croiser pas mal de groupes de motards.
gorge le réservoir de Uji, avec son barrage. Puis, de nouvelles petites routes nous mènent vers le col d'Arteziaga. Dans la descente, on croise un club auto de vieilles voitures. J'y connais rien, alors si toi tu sais ce que c'est, dis-le moi en commentaire. Tout ce que je sais, c'est que lui, il m'a fait bien peur. Mais c'est magnifique ici. Ouais. Là, les deux cols et ce village, c'est. Ouais. On emprunte maintenant l'ancienne route qui serpente autour de la N121A, puis une route qui semble nous mener à un col. Ça fait un bon moment qu'on ne croise plus personne, quand soudain, un peu de civilisation. Mathieu me fera signe qu'il veut un café. Demi-tour pour aller dans ce village perdu. Bon, eh bien en guise de village, on se rend compte que c'est la frontière, avec du côté espagnol, des magasins, des tabacs, des stations-service. Et du côté français, des bars et des restaurants. Et nous voilà en France. D'un coup d'un seul, on se retrouve face à une file ininterrompue de voitures. On peut dire que ça nous change. Un peu plus tard, nous voilà enfin à la moitié de notre road trip. À l'autre bout de la France, côté ouest. Et tant attendu, Océan Atlantique et Saint-Jean-de-Luz. C'est un parking de roue là, juste derrière. Allez, on prend des temps. Après un repas dans une chouette brasserie, et avant de reprendre la route, on voulait quand même notre photo avec les motos et l'océan en arrière-plan. Bah moi je vais rester ici au sec. Je crois bien que Mathieu m'a refilé ses microbes. Allez, reprenons la route. C'est pas tout, mais il faut avancer un peu quand même. Et pour le retour, on va s'écarter un peu des Pyrénées, pour le moment. Et on va avoir droit à un florilège de paysages divers et variés. Puis on va suivre le lit de l'Adour pendant un bon moment. Ce qui va nous offrir une multitude de ponts. Pour moi qui adore ça, je me régale. Surtout les plus anciens, en pierre ou en bois. Regarde, il est pas mignon celui-là ? Et nous voilà arrivés à Amou, notre étape du soir. C'est tout petit et on s'attendait pas à beaucoup d'animation. Mais commençant à être malade et fiévreux, je suis content d'être arrivé. Vidé. Vidé. C'est sympa. C'était joli ce parcours le long du. Donc l'Adour, c'est ça la réserve. L'Adour, ouais. Enfin, l'Adour. Adour. Adour. D'ailleurs, il y a un. Je sais pas, c'est ce qui m'est venu, je dis c'est ça parce qu'il y a R sur l'Adour. Quand tu vas à Nogaro, sur le circuit automobile de Nogaro, c'est pas très très loin, c'est dans la région. C'est un peu plus haut sur le R. Oh, bah, c'est comme ça, c'est cool. Ouais, je regarde. On va mettre dans l'ambiance ce soir, je sens. Oh, on avait dit qu'il n'y avait rien. J'ai appelé quelques copines. Bah, c'est, ouais. C'est joli. Ouais, c'est l'hôtel, il est mignon. Ouais, ouais. Hôtel du commerce. Alors, ça, si c'est un nom où il y en a partout dans la France, des hôtels de France entre aussi. Le bar et l'hôtel. Après un excellent repas et une bonne nuit de sommeil, on sort les motos du garage que l'hôtel nous a mis à disposition.
programme du jour, progresser vers l'est, avec sur le chemin tous les grands cols mythiques. Mais avant ça, il faut retourner dans les Pyrénées. Alors, cap vers le sud. À part sur le fond d'écran Windows, j'en vois pas souvent des paysages comme ça, moi. Oh, la pauvre bête. Il allait se coincer dans le fil barbelé. Tu crois qu'il y a le fermier dans le coin ? Là-bas, ça arrête la voiture ? Ouais, parce que moi j'irais bien l'aider, mais moyen quand même. Hein. Moi aussi, moyen, c'est ce que je pensais. Je regardais la ferme aussi. J'ai pensé comme toi. Alors, il est arrêté la voiture. Alors, si la voiture est arrêtée, on pourra pas faire mieux. Effectivement, le monsieur dans la voiture qui sortait de la maison voisine a sorti son téléphone. Sûrement pour appeler le propriétaire. On n'aurait pas pu en faire plus. Et nous voilà dans la montée du col d'Aubisque, le premier des grands cols. Une route avec une belle vue bien dégagée, c'est vraiment magnifique. Allez, passez un peu devant. Des moutons au milieu de la route. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu droit aux animaux comme ça. Mais toujours des paysages à couper le souffle. On fait une petite pause café à l'hôtel Richelieu, dans la montée vers le Tourmalet. On voit que le Tourmalet est un grand col. La route y est large et belle. C'est joli. C'est joli. Tiens donc, maintenant c'est des lamas. Je pensais pas en voir par ici. C'est vrai que mes parents venaient au tout début qu'ils ont commencé à faire du ski. Ouais. Ça a l'air pas mal comme ça. Ouais, c'est mignon, ouais. Oh, putain, le cadre est chouette, hein. C'est quand même, non? Ouais, le montagne. Non, c'est impressionnant, là. Pas fermé dans la... Quoi?
l'impression d'être enfermé. Ouais, dans un cirque. Ouais. Et donc là, on voit pas, on est caché parce qu'on est en dessous, mais il y a le pic du Midi en haut. La montée du col d'Aspin, dans ce sens, n'offre pas spécialement de vue. On est quasiment tout le temps entouré d'arbres. Mais une fois au sommet, waouh! Une vraie belle surprise. C'est au tour de l'ascension du col de Persourde. Allez, allez, on se pose du milieu, s'il vous plaît. C'est joli ici, hein ? Le port de Balès m'a enchanté. Une vue incroyable, des animaux partout et une super route. Et c'est au soleil couchant que nous arriverons dans le village de Lorté, au sud-est de Tarbes. Et nous voilà au sixième et dernier épisode de ce road trip. Sur ces deux derniers jours, on décide encore une fois d'éviter un maximum l'autoroute. On se dirige donc vers les Pyrénées ariégeoises, et toujours par les petites routes. Est en direction de Saint-Paul-de-Fenouillet. Bien ouvert, une pause s'imposait d'elle-même. C'était joli, je me suis dit, bah oui, là c'est parfait. T'as bien fait, ouais. Départementale suivra l'autre pendant quelques temps, pour notre plus grand plaisir. Après la pause déjeuner, on remonte dans les Corbières, rejoindre les gorges de Galamus. Nous voici arrivés à l'ermitage de Saint-Antoine de Galamus, qui date du XIVe siècle. Mais avant de prendre les escaliers qui mènent à ce lieu, la chaleur a eu raison de nous. On fera donc une petite pause au frais.
Ces parois calcaires creusées sur plus de 500 mètres de profondeur offrent beaucoup d'activités comme le canyoning. Et l'été, ça doit être un vrai régal. Nous voilà maintenant en pays cathare, le château de Perpertus face à nous. Perpertus, pas facile à dire ça. Entre l'entrée payante et la fatigue, j'avoue ne pas avoir voulu monter tout en haut du château. Du parking, la vue y est déjà sublime. On traverse le parc régional de la Narbonnaise en Méditerranée, mais l'heure tourne et on finira le trajet par un petit bout d'autoroute, jusqu'à Pézenas, fief de Molière. Ça rattrape le guidon ? Eh zut, je coupe à peine la caméra que David jette sa moto par terre. J'ai déjà raté la première fois. Tu sais quoi? Je ne sais pas comment ça se fait que j'ai basculé. C'est parce que j'avais le pied, j'en ai tourné à gauche. Oui. Et j'ai posé le pied à droite. J'ai posé le pied à droite. Ouais. Et ça m'a emmené plus. Je dis pourquoi il m'a emmené plus que d'habitude, que gauche que sur droite. Puis regarde, là peut-être il y a un. Ouais, la roue un peu. La planche est là, je pense que ben, ça doit donner un peu plus de. Là, on a un peu plus de. Une aussi grande chambre, il faut quand même filmer. Voilà, dernière ligne droite. Tu vas tourner un peu. Hein ? Il est mal. Donc matinal, l'air mal. Mais ça va le faire, hein ? On n'en a pas douté ? Ah oui, finalement la chute dans le désert aura réveillé une douleur aux côtes. De toute façon, c'est fait, et se plaindre n'y changera rien. Alors passons. C'est le dernier jour, et nous avons choisi de passer par la Camargue et les Alpilles, pour finir avec le moins d'autoroutes possible. Même si les routes ne sont pas très fun, la Camargue, c'est vraiment joli. Petite pause café à la Grande Motte, bien plus tranquille qu'en été. Quand on pense que ces derniers jours, on était en pleine montagne, et puis sur l'Atlantique. C'est quand même fou tous ces changements de décor quand on a les droits. You'd hate the ocean that I
turn the water to lead. If you'd miss the sunlight, I'd fill up the cups of my hands. And honey. Et voici le parc naturel régional des Alpilles, direction les Baux-de-Provence. Même si je connais bien ce coin, c'est toujours un plaisir de passer par là. Et ça nous fait encore un changement de décor incroyable. Rentrer maintenant. La dernière partie se fera par l'autoroute pour ne pas arriver trop tard à la maison. L'heure est venue de nous quitter après 10 jours fantastiques. Merci les amis d'avoir partagé ce road trip. Voilà, ça a laissé la fin. Ça s'est super bien passé, c'était super chouette. On s'est régalé, on a eu du beau temps dans l'ensemble. On s'en est bien sorti. On a fait des cols, des prairies, des champs, des vallées, des gorges, du désert. On a vu beaucoup de paysages différents. C'était vraiment chouette. Je te conseille d'aller faire un petit tour par là-bas. C'est des paysans. Peu importe d'où tu viens. Tu vas trouver quelque chose de différent. Voilà, donc on est de retour. Tout s'est super bien passé, encore une fois. On s'est régalé. Un peu fatigué, demain le travail, j'ai pas trop envie, mais ça devrait se passer quand même. Et il va falloir donner une bonne douche à la moto, parce qu'elle est encore toute pourrie, pleine de boue, de la boue des Bardenas. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Pense à t'abonner, laisse-moi un petit commentaire si ça t'a plu, et à la prochaine.